Il y a des produits qui vous changent tellement la vie qu'on se dit, mais pourquoi ? Il s'agit tout simplement de... Voilà, ça, putain, c'est à chier, Valérie. Hein. Exactement. Alors, Magali est avec nous. Magali utilise notre boule magique. Pas du tout. Nous allons vous prouver l'efficacité de notre grenadine en compagnie de la Suisse. Alors regardez, on va mettre ici cette chemise avec une grosse café très sale. Et puis on a notre maître. Allez, dans notre machine, on va rajouter tout simplement notre stratagé. Dans notre machine, je mets en marche, je ferme le tiroir. Et c'est parti donc pour 1h45 de lavage. Voilà, le cycle de lavage est terminé. J'ouvre et nous allons... Voilà, il n'y a plus rien là. Bonjour Pierre. Voilà qui est fait. Alors ici, nous avions notre pantalon avec des avions. Waouh ! C'est un câble. Là, il y a plus de 1000 euros. Ça, c'est beau. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? Merci beaucoup, maître. Et là, ce que je vous propose, c'est d'écouter, bien sûr, le spécialiste. Non, je n'ai pas envie. Alors, comment ça marche ? Eh bien, le secret, il est là. Et dans ce petit bruit que l'on entend. Voici venir notre lumière, Thierry Beccaro. Ça, c'est beau, ça. Je vous présente nos quatre candidats aujourd'hui. On va commencer par... Thierry Beccaro. Dominique vient de Bretagne. Bonjour, donc Marie-Annette, vous êtes la sœur de Dominique. Tout à fait. Parfait, merci d'être avec nous. Je vous présente Bruno et Bruno. Bonjour. Et si on envoyait les grilles ? Oui, nous commençons immédiatement. Voici la lettre A. Dommage, nous retrouvons Dominique. J'avais envie de vous faire un petit cadeau, si c'est possible. Ah ben, j'accepte. Thierry, je vais vous assassiner. Non, vous n'allez pas me dire ça. Ah ben, malheureusement... Non. Nous offrons à tous nos candidats le CD-ROM Motus. Bravo à tous. C'est des candidats, c'est top niveau hein, quand même. Bon, en tout cas, je vous abandonne parce que nous sommes très pressés. Allez, et merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Quelle horreur.